Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 70e épisode de notre Let's Play Satisfactory en coop avec Claude Sabdam et XK. Et aujourd'hui on attaque l'usine de bauxite. Allez, c'est parti. Voilà, une rampe, une seule, vous deux. Pourquoi tu mets une rampe? Bah pour vous que vous montiez. Ah bah t'es déjà monté. En fait, il suffisait de passer par l'autre côté, ça passait. Mais... L'autre côté où? Sur les rochers là-bas, côté est. Ah ouais, d'accord. J'ai pu monter sans problème. Ah, côté est, où il y a le crasher, donc. Il y a le crasher côté est? Tout au bout. Bah, ferme pas, cette dame, il y a un crasher, là, en dessous. Où ça, il y a un crasher? Bah, cette dame, là, enfermée, en dessous. Crasher, arrête de cracher. Crasher, arrête de cracher. Crasher, arrête de cracher. Tiens. Allez par ici, vous le verrez. Par ici. Ah, c'est bon, juste sur lui. C'est sur lui? Ah bah, c'est un tête chercheuse, hein. Il est mort. Voilà, un pec. C'était un pec ou un tête chercheuse? Il n'y a pas de on va où du coup maintenant? Il y a un bleu qui vient de popper juste en face. Je vois. Où ça? Ah oui, en face. Je vais récupérer mes points de vie et je vais vous aider. Je vais remonter sur la passerelle et je vais vous aider. Pas de prix. Ah mais la passerelle elle est pas jusqu'au bout alors je peux pas y aller. Elle est mourue. L'amoureux. Les chevaliers, ça oh, c'est quoi ça? Des champignons? C'est bizarre, hein, c'est petite, non, c'est une petite plantation. Du lichen, moi, je cherchais le mot. Alors, où est le bauxite d'ici? Bauxite. 176 mètres au nord. Exact. Ouais. Il a l'air d'être en bas. Ouais, il faut redescendre. Ah, il y a une sphère de Mercer ou quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai entendu l'autre paragouiner. Oh, des champignons. Où est-ce qu'elle est, sa sphère? Alors, qu'est-ce que c'est? Comply. En plus, c'est impur, donc c'est parfait. Ah, super. Il est facile d'accès? Ouais. Il est sur un plat, une grande plateforme toute plate. Yeah. Bon, je continue, mais... Il va falloir que tu descendes un petit peu. Ta plateforme est trop loin. Bah, recoupe, jusqu'où à peu près? Faut que t'enlèves 1, 2, 3, 4 blocs et que tu viennes... Voilà, parfait, ici, ouais. Vers nous. Et aller juste en dessous. Ah, okay, tu commences à descendre de là où tu as mis ta plateforme. Je pense que j'enlève parce que je vois rien du coup. Vous êtes où? Juste en dessous là, tu descends droit vers. Ah oui, d'accord, maintenant je le vois, oui, ok. Aïe! Je le vois. Sale bête. Ah! Mais qui c'est qui me tape? Mais Sabdam! C'est un chien. Mais non, c'est Sabdam, moi j'ai tué le chien et Sabdam il me tape. Non, on mettra un convoyeur vertical dans... Non, on mettra... Je t'ai pas tapé, ça veut dire. Ça veut dire, en fait, il m'écoute pas, il s'en fiche, il me tape, et puis c'est tout. Il y en a qui me tirent bien des balles. Bah oui, mais seulement quand tu m'as tué avant. Non, là, je te... Peut-être mettre un coup de tronçonneuse dans tout ça, là, non? Ah oui, il faut les foreuses portatives, tu peux m'en passer deux, Loss? Ouais, pourquoi je peux pas... D'accord, les armes rouges on peut pas les enlever. Ok. Oh. T'en veux combien? Deux, tu m'as dit? Ouais, deux déjà. C'est bizarre ça. On peut pas enlever les arbres. Le bambou est parti, mais pas les arbres. Bon. Et le cuivre, il est vers où, XK? Nord, sud, et est, ouest. Il est vers ma base. Ah, c'est bizarre, ça s'est pas mis à jour. En fait, il est plein ouest. Attends, mais il y a moyen de l'acheminer vers ici. Bah, pourquoi tu lui retires les trucs? Ah, deux secondes, juste c'était, j'arrivais pas à me caler par rapport à. Je vais te laisser la remettre. Non, vas-y, fais ce que tu veux. Non, c'était juste que j'arrivais pas à me caler à ton alignement pour aligner la. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le bauxite en hauteur. Ouais. Il va falloir de la flotte. Une belle superficie.
Oui, mais il y a une belle superficie bien plate. Bah, il y a la flotte là, juste en dessous là. Oui, mais si tu l'envoies en hauteur, il va falloir un paquet de pompes pour remonter la flotte. Ah, oui, merde. Oui, donc vaut mieux qu'on s'installe dans le coin là. En fait. Vaut mieux s'installer en bas, parce que du coup, comment ça s'appelait? Elle Slum. Ah, arrête de crier aussi. Fusion d'alumine. C'est bauxite et eau dans la raffinerie. Et ça donne quoi? Ça donne du liquide? Ça donne du liquide plus silice. Et ouais, non, flotte, oui, ouais. Et ensuite, on peut dans le coin en fait avec ce truc là. La map ne se redévoile pas à nouveau. Hein. Ben oui, le rebut bizarre. Avec le charbon. Bon. Il y a un problème. Ça commence à être. Ouais. Ah oui, il faut du charbon pour faire le rebut d'aluminium. Il doit pas être très loin normalement. Oula. Bah, il y avait le charbon pur que XK avait repéré. Ouais, il y a celui que j'ai trouvé, ouais. Celui que j'ai marqué, il est pas loin, effectivement. Un charbon. D'accord, le plus près, il est à 254 mètres nord-est. Ouais, mais c'est celui que j'avais vu tout à l'heure, je pense. Bah, il est un peu décalé de ton charbon, le 1 charbon pur. D'accord. Bah, charbon pur, il est plein est. Donc, il y en a un qui est plus proche, tu dis ? Ouais, il y en a un à 254 mètres nord-est. En plein centre nord-est. Ah ouais. Ouais, c'est au choix, du coup. Ouais, faut juste voir s'il est accessible. Après, l'autre, il est à 500 mètres et l'autre, il est à. Il est à. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ouais, 251 mètres. Ah bah, il y a de l'eau ici. À côté du charbon ? Ah bah oui, il y a un gros lac. L'eau. Génial. Et il doit être juste derrière, sur la plateforme au-dessus, derrière le lac. Ouais, je pense. 144 mètres là d'où je suis. Ouais. Je vais aller jeter un œil, voir ce qu'il donne. Bah, du coup, je vais regarder pour commencer à vous amener l'électricité. Je vais essayer de grimper en jetpack déjà. Bah, j'y suis là, je suis à 40 mètres. Ok, je suis sur le charbon. Moi aussi, c'est un impur. Ah. Mais de combien on en a besoin? Est-ce que ça suffit ou pas? Ah, c'est peut-être suffisant, effectivement. Pour commencer, ça devrait être. Après, dans le pire des cas, si on veut augmenter la production, on prend le pur qui est pas loin. Oui. Et puis on peut aussi booster le minage, hein, donc. C'était rebut. Il faut 2 charbons pour 4 solutions d'alumine pour faire 6 rebuts d'aluminium. Et je me rappelle plus c'était quoi le rendement d'un impur maximum. Je me rappelle plus des chiffres. Putain. Combien? 60? Non, 120. 60? 60 en MK2, il me semble aussi. Donc ça bouffe MK2, ouais. 40. Attends. Ça prend 120 par minute sur une raffinerie. Ou 120 par minute, 120 charbon par minute dans la raffinerie. Non, un MK1 ça prend 60 et un MK2 120. Donc moi ce que je te dis c'est que pour faire le rebut d'aluminium, ça va demander 120 charbon par minute dans la raffinerie. La raffinerie va consommer 120 charbon par minute pour faire du rebut d'aluminium à plein gaz. Donc 240 de solution d'aluminium. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'il faut... Tu nous parles de gaz et de raffinerie. À patate. À patate. D'accord, à patate là, on comprend mieux. Patate. Avec ou sans patate? Du coup, ça veut dire qu'il faut 2 raffineries. Ah, il faut du coup 2 raffineries pour la solution d'alumine pour en faire 240 par minute. Ça va nous produire 10 de silice. Et la silice. On va avoir un excédent de silice. Parce que pour faire 4 lingots d'alu. Attends. Non, je dis des bêtises. Solution d'alumine, 120 par minute. Donc,
50 par minute, donc ça va nous en faire 100 par minute, 100 silices par minute. Et les lingots, si on a 360, ça fait, il faut 300 silices. Là, il va falloir qu'on remonte de la silice. Il faudra 300 silices par minute. Silices à la minute pour faire tourner à 100% pour une machine, ça a l'air énorme. Pour la fonderie avancée, pour faire les lingots d'alu, le plan c'est 6 rebuts d'alu plus 5 silices pour faire 4 lingots, et ça en fait 60 par minute. Ah non, 60 cool. Par minute, et si ça les fait par 4, ça fait 15, donc ça 40. Fait enfin en tout cas, si on produit le rebut d'aluminium, si on produit à fond 360 par minute et qu'on voudrait l'utiliser dans des fonderies avancées, il faudrait 300 silices pour aller avec. Et si on a que 100 silices, on va consommer que 120 rebuts d'aluminium, et du coup on va commencer simple et puis après on par minute. On va commencer simple et puis après on fera plus complexe. Ok. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. De toute façon, ce jeu, c'est le principe, c'est de ne jamais s'en sortir. Donc. Oui, c'est ça. Et c'est du calcul à tout. Et tu. Lodos, t'es où du coup ? Je suis retourné sur le charbon en fait. Ah bah nickel, tu peux me passer les foreuses portatives ? Oui. Bah justement, c'est ce que je venais faire, poser la MK2, voir ce que ça donnait niveau rendement. Vas-y, pose là. Vas-y, je te les donne. Non, je te les donne. Vas-y. Parce que je vois qu'on fait du 240 sur un pur, j'ai un peu peur qu'on soit à 60, ouais, comme Sky l'a dit. Hein. 60, ouais. Petit. Donc on produit que 50%. Bah en fait, il faudrait la booster 3... Ah ouais, même en la boostant 3 fois, je suis même pas sûr. Si on la booste 2 fois. Bah ça donne que 50, 100. Et si tu la boostes encore. J'ai mis à 200%, 120 pièces par minute. 120, ah oui, c'est bon, on l'en booste en 2 fois, c'est parfait, on a le compte qu'il nous faut. Ouais, parfait. Du coup, ça serait pas mal qu'on s'installe en dessous au niveau de la flotte. Au-dessus du lac. Juste au-dessus du lac ? Non, on fait une plateforme au-dessus du lac. Bah le truc c'est qu'il faudra remonter l'eau. Toujours le même problème. Bah c'est pas grave, on met des pompes si on est juste au-dessus. Tu mets des pompes, une tous les 20 mètres. Tous les 20, c'est ça ? Mais là on sera juste au-dessus en fait. Ouais, bon, ou d'accord. On s'en va, comme tu veux. Aïe ! D'accord, les chiens, aïe. Les crashers, ils viennent de pop. Ah. Il y en a un autre là. Ah. Il y en avait. Il y en a encore un autre. Bon, deux contre trois crashers. Maintenant qu'il y a la mine, il devrait plus pop. Ouais, ou on descend en bas. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus simple de faire descendre des tapis plutôt que de faire monter l'eau. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est des ressources en moins. Quoi, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai ou c'est pas faux ? Faut décider. Ah, il manque. Tu peux me passer des plaques. C'est quand t'as pas compris en fait que tu dis c'est pas faux. Tu peux me passer des tôles de cuivre, s'il te plaît ? Bien sûr. T'en veux combien ? Un paquet, nombre. Ça suffit ? Ouais, un paquet, c'est bien. Enfin, je pense. Tu me dis un genre. Je vous ai amené la technologie, la lumière, l'électricité. Hiiii ! Que la lumière fume ! Ah oh ! Il y a un chien qui a popé. Bah, c'est marrant. Normalement, il devrait plus popper, vu que... Ok, donc faudrait qu'on s'installe en face de la pompe. Il y a deux chiens qui ont popé au bauxite, messieurs. Donc, d'accord. Faites attention à vous. Ah, j'ai plus de munitions pour les attaquer à distance. Mince. Il va falloir 18 de flotte. 180 de flotte à la minute. Est-ce que ça va suffire une pompe ? Je regarde ça tout de suite. Ça donne 120 mètres cubes par minute. Une pompe. Donc... On va d'abord installer les plateformes, hein, pour savoir comment on va installer, puis après on installe le reste. Il est où le charbon ?
le charbon sauté va, sous les rues. Avec une, un boost. Le charbon, il est déjà prêt à être récupéré. Ouais. Il y aura juste à tirer l'électricité des tapis. Ouais. Ok. Par contre, là, il y a du gaz, dis donc. Ah oui. Bah, faut s'installer ou sinon faut décaler la, la pompe plus vers le creux là-bas et s'installer carrément sur le lac. Vers le creux là-bas. Là, en face de moi, là, vers l'est. Il y a un creux dans la montagne. On décale un peu la pompe là-bas et on s'installe carrément sur le lac. Ah ouais, éventuellement. On va récupérer la pile. J'y suis. Voilà, c'est... Pourquoi je peux pas démonter parce que je suis en train de nager. Coucou toi, mais n'aie pas peur. J'aurais jamais réussi à entamer. Hein. Bon, un petit truc rouge, tu le lâches devant toi, tu t'accroupis. Fais gaffe, ça me dame, il y a un monstre. D'accord. Ça me dame, le monstre te charge. Il a passé où là? Derrière, de l'autre côté de. Ouais. Ouais, mais. C'est vrai. Et il y en a un autre qui est planqué en dessous de moi, là, je le vois pas. Alors, pompe. Ah, le voilà. Il y a un deuxième, ça me dame. Hein. Même il y a deux autres, pardon. Oula. Il y a un rollback. Gros lag. Ouais. Mais toi, quand tu lags, nous, on a un gros rollback. Ouais. Bah, moi, j'ai pas bougé, donc là, j'ai pas eu le rollback, mais je pense que je l'aurais eu aussi. Hein. Alors... Je les vois pas. Okay. Il y en a un que je viens de tuer. Il y en a un qui est juste en dessous de moi, là, en dessous des structures, ça dame. Lui, il a 150. Et il est planqué quelque part, je sais pas où. Je l'entends aussi. Et je l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Cool. Tuk-tuk. Ouais, il va falloir beaucoup de plaques. Hein. Et c'est quoi les fondats que tu posais, toi, Sam? C'est pour être aligné, hein. Je sais bien que j'aime bien... Les fondats en pierre bizarre que tu t'as posais... T'as des fondations qui sont superposées au même endroit, cette dame, là, c'est normal. C'est fait exprès. Regarde, c'est le trou du... Regarde au niveau du trou du mineur. Oui, mais quoi? Ah, c'est juste pour que ça apparaisse, d'accord. Voilà. Pourquoi je suis pas allé l'alimenter? Et là, on va pouvoir mettre la pompe. Non, elle va pas la pompe. Elle est déjà posée. Ah ben, on va la poser en fonction de l'alignement. Alors, vous êtes dans quel coin? Ah, je vous amène l'électricité, messieurs. On fait une petite plateforme ici, hein, Sabdam, pour mettre les machines. Là, on va déjà aligner la pompe là-dessus. Ça va aller tout bien. Non mais... Qu'est-ce que... Pourquoi tu veux aligner la pompe? La pompe, elle est dans l'eau. Ouais, mais je m'en fous, je veux l'aligner. Et nous, on veut qu'elle soit dans l'eau. Mais elle sera dans l'eau, alignée. Oublie pas de récupérer la pile avant de démonter, si tu démontes. D'accord. Et de la remettre après. Oui. Pourquoi t'as mis un truc derrière? Non, on voulait la mettre la plus loin possible, Sabdam. Sabdam. Quoi? Mais là, au fond. Et il va partir où, les tuyaux? Bah, vers l'Odos. Comme elle était, en fait. En fait, elle était très bien. Oui, d'accord. Non, mais en fait, ça ne lui plaisait pas parce qu'elle n'était pas alignée avec les plateformes. Mais... Ça rentre pas. Vous manquez. T'inquiète pas. Sabdam. La tour de guet, c'est déjà où déjà? Voilà. Ah, j'ai plus assez de plaques. C'est pas grave. Bah oui, mais si t'avais laissé la pompe, on aurait déjà une pompe et il y aurait pas de problème de ah, plaque. Ah, je m'en fous. Ah. Calme, Sabdam, du calme. Ah. Attends. Je l'alignais, ta pompe. Juste, ça prend 30 secondes de plus.
C'est qui m'en loupe ça. Oui. Nous aussi, on s'en fout. On y va pas, mais oui, faut que ça fasse beau, les choses. Ah, oh, je m'en fous, je vais pas la poser, c'est pour pas. Mais si tu l'avais pas enlevé, t'aurais pas à ne pas la poser. Non, mais sérieusement. Ah, quelqu'un du câble. Du câble, ah, comment du câble. Du gros. J'en ai 400. Ou j'en ai 20. J'en ai 20, s'il te plaît. Pas aller loin. Non, moi. Je te tire dessus. Ouais, merci. J'ai pas d'arme, moi. J'ai juste ça. C'est pas dans le bon sens, Sabdam. Ce n'est pas voulu. Et ça glitch ah, dans le mur. Rien. Du coup, il faut deux raffineries, on a dit, au minimum. Qu'est-ce qui me manque? Les moteurs. C'est toi qui avais les moteurs, Lodos? J'en ai, ouais. Tiens. Merci. Coucou Link. Et merci pour le follow. Bah, c'est Powell. Merci. Okay, cool. Bienvenue. Baden. C'est Baden. Raffinerie. Donc. Ah. On a besoin de la solution d'alumine dans une raffinerie bauxite et flotte. Il nous a même déjà ramené le tube de transit. Cool. Non, il commence de là où vous êtes. Je l'ai pas terminé. le bauxite est là-haut. Voilà. La flotte est là-bas. On n'a peut-être pas mis la flotte du bon côté, en fait. Est-ce qu'on pourrait la mettre là, la flotte? Tu penses que ça passe? Profondeur. Je nage, donc oui. C'est bon. Attends, je regarde. Est-ce que quelqu'un a des rotors? Attends, je me pousse. Sabdam. Des rotors. Attends, je regarde. Sabdam, finalement, de l'autre côté, ça sera mieux. Viens, Sabdam. Je crois pas avoir de rotors. Juste au pied de la rampe, là. Il faudrait une petite dizaine. T'as pas de rotors, Elru? Pardon, rotors... J'en ai 18, mais j'en ai besoin pour quelque chose. Ah. J'en ai besoin de 14. Au minimum, il m'en faut 6. Il m'en manquera alors. Ouais. T'en as pas, Sabdam? J'en ai. Quoi? Des rotors. Des rotors. Je pourrais t'en passer 4, j'en ai besoin de 14. Mais... Ouais, attends, je regarde si je peux en fabriquer, et puis dans le pire des cas, je te. Ouais, là. Désolé, j'ai un peu de tout sauf des rotors. Ah, je peux en fabriquer 2. À la limite, Elru, si tu me passais 4, ça t'en fera 6. On aurait assez. C'est quoi qu'il te faut comme compo pour en fabriquer? Des tiges de fer. J'en ai pratiquement 400. Ouais, bah donne-moi des tiges, comme ça c'est bon. T'es où? T'es là. Je suis là, ouais. J'ai assez de vis, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les rotors, donc tu peux garder les tiens, Elru. T'es sûr? Je venais de... Ouais. Je venais de séparer. Ok. Donc... Bah... Mais non. Bon chance. Ça allait pas, ça glitchait? Je pense qu'il faut que t'enlèves celui de droite aussi. Attends, je te l'enlève. Non, c'était pas les structures qui me gênaient le plus, c'était les... Parce que là, tu glitches dans la structure à gauche. Oui, mais c'est pas grave, elle s'enlève. Si, mais... Non, mais c'est pas beau. Décale-toi un peu sur la droite. Mets-le au centre. Je suis pas lié. Si, mais aligne-le au centre. Coup de vent dans le micro. Vous l'avez entendu? Non. Non. Là, t'es aligné au centre, c'est très bien. Sabdam. C'est encore mieux, même. Donc, j'étais sur raffinerie. L'entrée de ce côté-là, la sortie de l'autre côté. N'oublie pas de remettre la pile, Sabdam, s'il te plaît. J'espère que j'ai pas fait une boulette, mais... On a dit que ça allait en faire 120 solutions d'alumine par minute et le rebut. Il en fallait 240 pour en faire 360. Mais est-ce qu'on fait moitié moins pour commencer? Ou on fait full? Ah non, on a dit on n'a pas assez. Non, juste un peu. On va faire ce qu'on peut, après
Après, on va vraiment planifier une vraie usine et tout. Un peu plus grande. Ah, de... ah bah c'est le tube. Mais pour l'instant, je limiterai. Hein. Si on... Je pense que le tube, il est... Bon, on décalera peut-être son... Donc, rebut à partir de solutions d'alumine et de charbon va nous produire de l'eau. C'est qu'il y a des tôles de cuivre. C'est Lodos qui les a. J'en ai quelques-unes, pardon, mais j'en ai besoin de faire les tubes. J'ai pas répondu parce que j'avais. J'étais en train de grignoter un truc, donc désolé. plaque de cuivre, ils sont ouf, ils sont là, tiens. Non, on va pas se mettre là. Rechoper mon... Oui, c'est le milieu ici. Ah! Ok, ça sera le charbon plus le... Plus le quoi rebut d'aluminium, ça prend le charbon plus la solution d'alumine. Ça, solution d'alumine, ça sort la solution d'alumine et la silice. Et toi, tu sors de l'eau, c'est ça? Oui, toi, tu sors de l'eau. Donc, il faut raccorder celui-là niveau flotte. Ton tube, il va nous gêner un tout petit peu là où tu l'as mis, XK. Je vais le déplacer. Oui, vas-y. Tant que tu le relis, aucun souci. Il faut que j'aille chercher des pièces à la base. Il fait souvent des fautes d'orthographe. Il y en a plein trop, monsieur. De quoi, cette dame ? On est à peine trop haut. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !